ceci. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père. Vous pouvez souligner ici, même Jacob a remarqué que Laban n'était pas de bonne humeur ou de bonne relation avec lui. Amen. Amen. Le verset 6. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait... Oh, c'est-à-dire, il y a des moments où Dieu ne permet pas à nos ennemis de nous faire du mal. Hein, bien qu'il peut être contre nous, mais ils auront toujours des limites. Écoutez attentivement ces textes. C'est par là qu'on va proclamer les paroles de bénédiction. Le verset 7. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Il y aura transfert ce matin. Le verset 10. Aujourd'hui, il y aura transfert ce matin. Aujourd'hui, il y aura transfert ce matin. Amen. Vous jouez avec la bénédiction, il y aura transfert. Même si tu ne crois pas, il y aura transfert. Dieu va prendre les richesses des nations et les ramener vers toi. Oh, dites amen très bien. Moi, je crois à la puissance de cette parole. Il y aura transfert. C'est Jacob lui-même qui a déclaré. Dieu a pris les troupeaux de votre père et me les a donnés. Amen. Amen. Le verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car je vis tout ce qui était fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères? Puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent, toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu te dit. Jacob s'éleva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Padan Aram et qu'il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Cana. Tandis que Rachel déroba les téraphimes de son père, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Amen. Amen. Le verset 29. Le verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Ça, c'est Laban qui dit à Jacob que ma main est assez forte pour te faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier. Ah, le Dieu de votre père m'a dit hier.
Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Je déclare ce matin le Dieu du haut des cieux. Je dis le Dieu du haut des cieux va apparaître à vos ennemis. Dieu va leur donner l'avertissement de ne pas parler ni en bien ni en mal contre toi. Je lève ma main droite du haut de cette chair. Je pars que tous vos ennemis puissent écouter les sons de ma voix de partout où ils sont, partout ils parleront en mal contre toi. Que ce mal-là retourne à leur vie, retourne à leurs enfants, retourne à leurs affaires. Au nom de Jésus-Christ, je parle comme prophète de l'Éternel. Parce qu'il y a un temps pour tout. Dieu a donné le temps à Laban de se jouer avec Jacob, de faire tout ce qu'il pouvait faire avec Jacob. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu a mis fin. Là où Laban pouvait préparer le mal, Dieu apparaît pour lui dire, ça suffit. Dites à ton voisin, ça suffit. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Ça suffit. Trop, c'est trop. J'ai dit trop, c'est trop. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi de rois? Vous savez, il y a d'autres versets qui amènent même la conclusion du message. Ça ne demande pas même de trop crier. Ça ne demande même pas de sauter. C'est seulement ce verset-là. Amène la conclusion. La bande se croyait fort. La bande aligeona mtu wa nguvu. La bande se croyait puissant. La bande aligeona mwenye uwezo. Mais j'aimerais lui dire. Lakini napenda mwambia. Au-dessus de lui. Juu yake. Il y a un Dieu. Peko Mungu. Amen. Amen. Ce matin. Asubuhi ya leo. Mon exhortation. Maubiri yangu. C'est pour vous pousser. Ninja kumisukuma. À faire totalement confiance à Dieu. Ya kutumania zaidi paka Mungu. Et à vous accrocher na kwa mbatana à toutes les paroles de bénédiction prononcées sur votre vie. Kumisemo yote baraka wanatangaza kwa maisha yenu. L'ennemi adui ne combat pas n'importe qui. Asikombani sake mtu yoyote. L'ennemi combat celui qui a une grande destinée. Adui anakombanisha ule eko na maisha mazuri ya kesho. Et celui qui a une grande destinée. Ule na maisha mazuri ya kesho. C'est celui qui porte les promesses de Dieu sur ta sa vie. Ni ule anachukua maazi ya Mungu kwa maisha yake. L'ennemi ne combat n'importe qui. Adui asikombanisha mtu yote. C'est pour cela que si tu es dans cette salle, tu vois que tu es trop combattu. Unaona sio la kombanisha sana. Réjouis-toi. On ne te combat pas pour rien. Lorsqu'on te combat, on n'a pas besoin de ton mariage, on n'a pas besoin de ton argent, on n'a pas besoin de biens matériels, on a besoin de détruire la bénédiction de Dieu qu'on a déclaré sur toi. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est un paquet. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais enlever votre attention. Parce que lorsqu'on parle de la bénédiction, la plupart des chrétiens voient les biens matériels. La bénédiction est au-delà de biens matériels. La bénédiction est au-delà de moyens financiers. La bénédiction, c'est la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Tout celui qui a Dieu dans sa vie, il est béni. Le docteur Stéphane
Lorsqu'on parlait de la bénédiction par alliance, il a dit, tout ce qui nous approche de Dieu, c'est ça la bénédiction. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, c'est la malédiction. Je connais des gens qui ont l'argent. L'argent les a éloignés de Dieu. Là, tu ne peux pas dire que l'argent, c'est la bénédiction. Ce qui est bénédiction, c'est ce qui t'approche de Dieu, c'est ce qui te maintient dans la présence de Dieu. Amen. 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 Et le travail du diable dans la vie de chaque homme, de chaque femme, c'est de travailler pour t'éloigner de Dieu et pour t'éloigner de la bénédiction. Amen. Le diable n'attaque pas tout le monde. Hein? Dites amen très bien. Amina. Les personnes que le diable attaque, ce sont des personnes qui ont reçu les paroles de la bénédiction. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Même pour t'attaquer, le diable ne vient pas avec des démons physiquement comme ça. Mais le diable vient avec ce qui t'a béni. Qu'est-ce qui t'a béni? Nini rikubariki? C'est la parole. Ni neno. Le diable, Shetan, vient aussi avec la parole. Anaka pia na neno. Rentrons dans le jardin d'Eden. Turudie mubustani la Eden. La Bible déclare. Biblia inasema, Dieu créa l'homme. Mungu akaumba mutu. À son image. Il créa l'homme et la femme. Akaumba muke na mume. Il les a établis dans le jardin d'Eden. Anabatia mushamba la Eden. Et chaque jour, Dieu le visitait. C'est-à-dire dans le jardin d'Eden, l'homme était dans la présence de Dieu. Amen. 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 Le diable aussi, c'est un épia, il a compris. Pour avoir l'homme, comme Dieu les a bénis avec la parole, mais lui, il est venu pour créer les doutes dans leurs pensées. Ne crois pas. Ce qui va te détruire, c'est le prochain qui est à côté de toi. Ce qui va te détruire, c'est le doute que le diable va créer dans tes pensées. Dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Je peux crier ici. Je peux transférer. Je peux m'appuyer sur l'alliance de Dieu pour te bénir. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Le diable fera tout pour créer des doutes dans chaque parole de bénédiction qu'on doit proclamer sur ta vie. Amen. Amen. Ce que le diable amènera, c'est les doutes. Dieu, après avoir placé Adam et Ève dans le jardin, il les a donné une ordonnance. Vous mangerez le fruit de tous les arbres. Sauf l'arbre du, le fruit de l'arbre de millet. Amen. Amen. Et lorsque Dieu avait pris la décision de créer l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque l'homme était dans le jardin, il avait la ressemblance de Dieu et il avait aussi l'image de Dieu. Mais regardez ce que le diable a amené. Il s'est déguisé d'abord en serpent. Bien aimé dans le Seigneur, le diable est esprit. Dieu aussi c'est l'esprit. Dieu pour agir sur la terre, il a besoin d'un corps humain pour agir et pour se manifester. Même les diables aussi, pour agir sur la terre, il a besoin aussi d'un corps humain. Amen. Amen.
C'est la raison pour laquelle le diable est entré dans le serpent parce qu'il était rusé. Laisse-moi te dire, Dieu n'utilise pas tout le monde et le diable aussi n'utilise pas tout le monde. Dieu utilise les gens qui gardent son image et qui gardent sa ressemblance. Le diable aussi cherchera toujours une créature qui lui ressemblait. Comme le serpent était rusé et le diable aussi était rusé, il s'est incarné dans le serpent. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tout ce qui brille à côté de nous n'est pas de l'or. Le diable, lorsqu'il vient entrer dans ta vie, il ne viendra pas avec un mauvais visage. Il ne viendra pas avec un visage rafronné. Il peut venir avec le sourire dans l'objectif de te détruire. C'est là que vous devez avoir le discernement. Il connaît même ce que tu aimes. Parce que le diable savait. S'il passait par l'homme, l'homme a la logique des choses. Et le diable a compris que la femme, elle est dans les sentiments. Elle aime entendre de bonnes choses. Si elle entend de bonnes choses, c'est facile qu'elle influence son mari. Comme il était plus rusé, il est entré par la femme. Regardez ce que le diable a dit. C'était pour créer les doutes dans la vie de l'homme et de la femme. Le diable a dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour attirer maintenant l'attention de la femme. C'est-à-dire la même parole, le diable change de tournure. Et le diable dit, Dieu sait, le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme lui. Or l'homme et la femme étaient créés à l'image de Dieu. Peut déclarer des paroles de bénédiction, mais le diable amènera toujours le doute dans ton cœur et dans tes pensées. On peut proclamer la bénédiction, le diable amènera toujours des doutes dans tes pensées. Tu peux être à gauche, le diable amènera toujours des doutes dans tes pensées. Par rapport à ton église et par rapport à ton pasteur. Présentement, le travail que le diable fait avec les réseaux sociaux, c'est créer des doutes dans les pensées des chrétiens. Enlever la confiance des chrétiens envers leur pasteur. C'est pourquoi vous allez voir dans toutes les blagues, c'est contre le pasteur. Même le pasteur eux-mêmes, ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Tu peux voir un pasteur, toute sa prédication, c'est d'attaquer l'autre pasteur. Et l'église, c'est un endroit où les généraux, sur leur généraux, bien aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Le temps est arrivé où l'église doit élever Jésus, doit élever le côté positif des hommes de Dieu. S'il y a ceux-là qui ont tombé, il y a aussi d'autres qui gardent l'alliance. Même dans le temps d'Élie, Élie pleurait que je suis resté seul, mais Dieu lui a dit, il y a plusieurs prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Église, écoutez-moi, n'entrez pas dans le piège de l'ennemi. N'entrez pas dans le piège de l'ennemi. Nous ne sommes pas bénis. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là. Nous ne sommes pas bénis parce que le diable a semé des doutes. Là où tu pouvais placer la confiance, le diable te dit, ne passez plus la confiance à cet homme-là. Moi, je ne suis pas d'avis de ceux-là qui disent un homme de Dieu, il est aussi homme, il peut tomber. Non, la Bible me dit, regardez un sacrificateur comme un saint. Je me rappelle de la femme
des distinctions sous Namit. Lorsqu'elle voyait Élisée, elle a dit, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. N'entrez pas dans ce débat. Ce n'est pas notre débat. C'est le débat du diable. Le diable cherche à nous désorienter par rapport à l'objectif. Lorsque tu dis, l'homme de Dieu, il est homme, il peut tomber. Qu'est-ce que tu sèmes dans les têtes des croyants? C'est pour qu'il les fasse confiance ou qu'il se détourne de lui. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toutes les forteresses, tous les mauvais enseignements que le diable a mis dans nos pensées pour créer des doutes, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tous les mauvais raisonnements, je le renverse au nom de Jésus. Le diable, sa plus grande stratégie, c'est de créer des doutes. Il a déjà détruit beaucoup de mariages comme ça. Il y a même d'autres personnes qui sont dans les mariages, mais le diable les a déjà eus. Il a déjà créé des doutes. Oh, dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Tu vois un homme. Vous êtes fiancé. Vous avez fait le parcours. Cet homme s'est privé de tout. Il s'est débrouillé. Il a eu l'argent pour donner la dot. Et un jour, tu arrives chez lui. Le diable, avec tout son environnement là, entre dans ta vie. Pour comment? Parce que le diable entre par la femme. Pour créer la doute. Pour dire. Est-ce que cet homme ici t'aime réellement? Si il te dit comme ça, il te fait oublier tous les sacrifices que cet homme a fait. Il a laissé toutes les autres femmes. Il t'a choisi seulement toi. Il a donné la dot. S'il y avait d'autres femmes, il n'allait pas t'épouser. Mais le diable a créé des doutes. Maintenant, en créant des doutes, au lieu de faire ce que tu devais faire, toi tu te réveilles au milieu de la nuit, tu cherches le téléphone de ton mari, tu vérifies. En vérifiant le téléphone, c'est ça l'objectif de chercher le mal, pas de bonnes choses. Parce que tout ce que tu vas trouver là-bas, c'est pour créer des désordres. C'est la raison pour laquelle chaque famille, chaque mariage a des désordres. Et au moment où l'homme est au travail, les personnes que toi tu reçois, ce sont des personnes qui viennent combattre l'unité entre toi et ton mari. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cet esprit, soit délogé. L'esprit des doutes. Si tu as déjà aimé quelqu'un, aime-lui tel qu'il est jusqu'à la fin. Si tu es membre dans une église, reste là-bas jusqu'à la fin. Qu'on ne vienne pas mettre d'autres pensées dans ta tête. Oh, dites amen bien. Amina. Je dis dites amen très bien. Amina. Je crois que vous serez bénis. Amina. Mais le diable Chetani. N'est pas loin de toi. On l'envoyait du diable. N'est pas loin de toi. Anambali. Oh, dites amen très bien. Amina. Il y aura des gens qui viendront te dire des choses. Kuku watu watawa kwambia vitu. Est-ce que tu vas accepter ce que Dieu t'a dit ou tu vas accepter ce que les amis t'ont dit? Utechika ile Mungu anakuambia au ile warafiki wanakuambia? Je vous pose la question. Nemiluisa, qui t'a envoyé ici à Goshen? Nani alikutuma huko Gosheni? Papa Jean-Baptiste. C'est Dieu. Est-ce que tu peux accepter un frère vient te dire des choses que tu quittes Goshen? C'est comme ça que le diable fait, hein? Le pasteur que tu as accompagné, que tu as soutenu du début jusqu'à maintenant, quelqu'un te dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un vrai pasteur, c'est un mauvais. Et toi, tu acceptes. Les mariés avec qui vous avez fait un grand parcours, la femme avec laquelle vous avez fait un grand parcours, quelqu'un de dehors, il ne sait pas comment vous avez souffert, il est venu de dire non, cet homme-là, il n'est pas correct, toi aussi tu acceptes. C'est quoi ça?
Même nous, les pentecôtistes, on nous a mal habitués d'envoyer le feu au diable. Oh, le feu, le diable ne vient pas avec le feu. Le diable ne vient pas avec les liens de famille. Même la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ, même les liens de famille sont coupés. Qu'on ne vous mente pas, le diable vient avec des doutes dans tes pensées. S'il veut t'avoir, déjà il t'a déjà eu avec les doutes dans tes pensées. Ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus parce qu'on a créé la confusion dans ta tête. Que cet homme il ne t'aime pas, cette femme ne t'aime pas, toi-même tu te comportes bizarrement. Il t'a déjà eu. Ma prière, si c'est ton cas, repens-toi. Rentre à Dieu. Que Dieu harmonise des choses. Je dis repens-toi. Ne laisse pas la place au diable. Tu ne peux pas combattre la bénédiction avec ta force. Regardons Jacob. Il est sorti avec la bénédiction dans la maison de son père. Il est arrivé chez son oncle là-bas. La personne qui a maltraité Jacob pendant 20 ans. Ce n'est pas quelqu'un du dehors. C'est quelqu'un de sa famille. Le grand frère à sa mère. Il a malmené Jacob pendant 20 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Les gens qui nous malmènent, ils ne sont pas loin. Ils sont toujours avec nous. Son oncle propre. Il a travaillé 7 ans pour la femme qu'il aimait. Le jour où on devait lui donner la femme, on a changé. On lui a encore demandé de travailler cette autre année. Donc pour la femme qu'il avait aimée, il a travaillé pendant 14 ans. Et il a fait 20 ans. Même Jacob a reconnu devant les enfants de Laban, que ce soit les hommes ou les filles, il a dit, votre père a changé mon salaire pendant 10 fois. Ce matin, on va chasser l'esprit de Laban. Il y a les gens que Laban est en train de faire travailler. Laban, c'est un esprit. Tu travailles sans rien gagner. Amen. Amen. Dans nos déclarations avec le docteur Stéphane, on va chasser cet esprit-là. C'est pour vous dire, tu peux avoir une parole de bénédiction, mais le diable entrera quelque part pour te faire voir que tu n'es pas béni. Mais moi je te dis, peu importe ce que tu traverses, tu es un béni de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Il y a des choses qui vont s'arrêter ce matin. Amen. Amen. Le cycle de malheur va s'arrêter ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là-bas, à un temps fixé par Dieu, même les enfants d'Israël, ils n'ont pas souffert toute leur vie en Égypte. Il y avait un temps que Dieu avait fixé. Ce matin, j'annonce une nouvelle saison. J'annonce une nouvelle saison. J'annonce une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour ta famille. Une nouvelle saison là où tu travailles. Ceux-là qui t'ont malmené, Dieu va mettre fin. Dieu va mettre fin à leur stratégie. Il y a un moment où tu dois rester calme. Il y a aussi un moment où il faut parler. Pendant 20 ans, Jacob n'avait pas parlé. Jacob a sukusema contre tout ce que Laban lui faisait. Amen. Il ne faut pas minimiser mon silence.
Le silence n'est pas un signe de faiblesse. Je dis, le silence n'est pas un signe de faiblesse. Je ne peux pas parler lorsque Dieu ne me permet de parler. Lorsque Dieu permet de parler, c'est pour l'engager dans ma situation et dans ma vie. Un jour, Dieu s'est levé. Il a dit à Jacob, trop c'est trop. Tu vas maintenant t'élever. Tu vas prendre tes femmes, tes enfants et tes biens. Tu vas quitter là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Il y a d'autres situations que tu vas quitter. Il y a d'autres vies que tu vas quitter. Il y a d'autres bassesses que tu dois quitter. Bien-aimé, il ne faut pas te contenter de ce que tu vois. Si tu veux aller loin, il faut savoir quitter les zones de confort. Aujourd'hui, si tu veux aller loin, il faut regarder à Dieu, que Dieu te montre là où tu vas partir. Dites amen, très bien. Amina. Et Jacob s'est levé. Jacob a la muka. Au moment où il s'est levé, maintenant les enfants de là-bas, où le frère de Léa et Rachel commence à attaquer Jacob. Et cet homme ici, il a profité les biens de notre père. Et c'est la première fois que je vis dans Jacob s'élever pour se défendre. Et le bien que je possède, ce sont mes biens. On a signé des accords avec votre Père et Dieu dans le ciel. Vous savez, quel que soit ce que vous traversez, Dieu est de votre côté. C'est pourquoi j'ai toujours dit, celui qui a Dieu, on ne peut pas lui voler. Celui qui a Dieu, on ne peut pas lui voler. Moi, ça me ferait très mal. Même le femme à l'église, il prie Dieu, qu'on ne vole pas mon mari. Si tu as Dieu, on ne peut pas voler ce qui est à toi. Si tu crois que la personne que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. L'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Les enfants que tu as, tu ne peux pas avoir peur, même de la sorcellerie. C'est ça les doutes que le diable a créé dans vos têtes. Dieu, il est fidèle vis-à-vis de ses enfants. Mon frère, je te parle. Tout ce que Dieu t'a donné, personne ne pourra le prendre. Même si tu ne veux pas dire amen, c'est ton problème. Même l'argent. C'est vrai que je vous ai dit que la bénédiction, c'est un paquet. Le grand support de la bénédiction, c'est la sécurité que Dieu nous donne. Dieu ne peut pas te bénir sans te rassurer d'abord de sa protection. C'est ce qu'il a dit à David, ma main te soutiendra, mon bras te fortifiera. L'homme méchant ne te surprendra jamais. C'est ça le support de la bénédiction de Dieu. N'aie pas peur, même si tu as des combats, la sécurité de Dieu est sur toi. Il y a des gens qu'on peut combattre, on arrive à le vaincre, mais il y a d'autres, des combats de génération en génération. C'est pourquoi la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Aujourd'hui, ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Un vrai chrétien ne pleure pas là où il y a la guerre. Un vrai chrétien doit avoir l'assurance que celui qui est en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Je déclare que Dieu t'assure la sécurité, qu'il assure la sécurité sur ta maison, qu'il assure la sécurité sur ta bien, qu'il assure la sécurité sur ton poste. Au nom de Jésus, laisse-les faire leur cérémonie. Laisse-les tuer des chefs. Ce n'est pas un problème. Nous n'avons pas besoin de chefs. Nous avons l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. J'aime toujours la manière dont Jean l'a présenté. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je déclare,
Laisse-les tuer des poules. Laisse-les égorger des chèvres. Laisse-les faire des cérémonies. C'est un passe-temps. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils ne te vaincront jamais. Ils vont attaquer tes enfants, mais ils verront le sang de l'agneau. J'aime le jour où les enfants d'Israël, où les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte. Tu as donné l'ordre de chaque famille puisse tuer l'agneau et mettre le sang sur le linteau. Lorsque l'ange de la mort pouvait passer, la Bible déclare, cet ange-là n'avait pas besoin de savoir si dans cette maison il y a un intercesseur, si dans cette maison il y a un partenaire, si dans cette maison il y a un bishop, si dans cette maison, il y a un pasteur. Si dans cette maison, il y a un évêque, l'ange, lui, avait besoin du sang. Je t'informe ce matin, on ne te touchera pas parce que le sang de Jésus est sur ton visage. On ne touchera pas tes enfants. Le sang de Jésus est sur le front de tes enfants. On ne touchera pas tes biens. Même les biens qui étaient dans la maison étaient protégés. Parce qu'au linteau, il y avait le sang. Même si dans la maison là, il y avait un sorcier, ce sorcier là était protégé. Je déclare, je proclame, ne crains rien. Parce que la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Rien. J'aime ça, rien. Quand on dit rien, c'est rien. Quand on dit rien, c'est rien. Rien. Même la sorcellerie de ton village, c'est rien. Même la haine de tes ennemis, c'est rien. Je déclare, rien. Rien. Répète avec moi, rien. 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 Rien ne pourra te nuire. Tes ennemis ne pourront te nuire. La sorcellerie ne pourra te nuire. Marche avec victoire, avec tes dents. Rien ne pourra te nuire, ne pourra nuire à ton enfant, ne pourra nuire à ta santé. Je le déclare, je le proclame comme prophète de l'Éternel. Dites après moi, rien, 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 rien. Même la vie du médecin, c'est rien. Ne pourra te nuire. Parce qu'en toi, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Parce que l'apôtre Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de ta gloire. Ne me voyez pas comme ça. Lorsque je chante, lorsque je danse, je sais une chose. Même si je traverse la vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort, je sais une chose. J'ai l'assurance que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même si je suis piéton, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même si je suis malade, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même si l'économie est par terre, je déclare, Christ en moi, Christ en moi, Jesus in my life is the glory, is the glory, is the glory. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même si le mariage ne vient pas, Christ en moi, le mariage viendra. Le mariage viendra. Pas n'importe quel mariage. Christ à Goshen, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Même si on a touché l'intelligence de mes enfants, mais je déclare, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, ne marche pas avec des visages inquiets. Tu es Jésus, ne minimise pas le Jésus qui est en toi. Ne minimise pas le Jésus qui est en toi. Il est le plus puissant, il est le plus fort. Il a changé la sagesse des gens, il a changé l'intelligence des chimistes, il a changé la loi de la physique, il a marché sur les eaux, il a multiplié le pain.
qu'il se manifeste ce matin. Je dis qu'il se manifeste ce matin. Qu'il se manifeste ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il se manifeste dans la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est désespéré. Qu'il se manifeste. Il est le Dieu désespéré. Il est le Dieu de ceux qui sont abandonnés. Il est le Dieu de ceux qui sont rejetés. Il est le Dieu de ceux qui n'ont pas d'appui. Il est le Dieu de ceux-là qui n'ont pas les hommes forts. Lui-même, il est l'homme fort. L'homme fort de ta famille. Ou si vous n'avez pas un homme fort à la présidence, au ministère, Jésus est là. Jésus est là. Les gens comme nous. Ni t'étais Jésus. Ni t'étais Jésus. Ni t'étais Jésus. Quel serait le sort de notre vie? Qui pouvait nous citer? Qui pouvait nous compter? Nous sommes comme les femmes qu'on ne pouvait pas compter, les enfants. Mais à cause de Jésus, même l'enfant qui avait 5 pains était compté. Ce matin, qu'on puisse te compter. Qu'on puisse te compter. Pas à cause de ton diplôme, mais qu'on te compte à cause de Jésus. Quel que soit ce que tu traverses, aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, je suis en train de parler à quelqu'un qui est là derrière. Si je m'avance vers toi, c'est pour t'annoncer. Quel que soit ce que tu traverses, ton rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Comme Job a dit, je sais, l'Éternel paie tout. Et mon rédempteur est vivant. Il se réveillera. Le dernier, je suis venu annoncer la fin du cycle de ton malheur. Le temps est arrivé où Dieu va fermer la bouche de Laban qui t'a martyrisé pendant 20 ans, qui t'a maltraité pendant 20 ans. Je me tiens devant toi ce matin pour annoncer la fin de la force de Laban, tout pouvoir, toute puissance qui te maintenait dans la misère. Je me tiens au son de ma voix pour arrêter cet esprit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu as assez pleuré. Tu as assez échoué. J'aimerais te dire, toute la nuit, Pierre et ses amis, ils ont péché sans rien prendre. Lorsque Jésus est arrivé, l'homme de Galilée, l'homme qui se met aux côtés des gens qui sont fatigués, et Jésus lui a dit, avance en plein nord, je déclare. Je déclare, je déclare, je déclare la fin du cycle de malheur, du cycle de problèmes. Au nom de Jésus, la bouche de là-bas sera fermée ce matin. Que Dieu lui-même puisse s'arranger et visiter tous vos ennemis, tous ceux-là qui parlaient en mal contre vous en disant assez. Ne parle ni en bien, ni en mal contre mon serviteur. Ma prière est le fait de mon cœur. Que Dieu ferme la bouche de vos ennemis. La bouche de vos ennemis. La bouche de vos ennemis. Au nom de Jésus. Comme Anne pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Il n'avait pas la force de fermer la bouche de Pénine. Lorsqu'elle est allée au temple, l'Éternel a visité Anne et la bouche de Pénine était fermée. Il ne se moquait plus de Anne. Je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que Dieu ferme la bouche de tes ennemis comme il l'a fait avec Laban. Nous sommes debout.